أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on revient partager avec vous les fuyudat, les flux qui partent de Sénéchah, Ahmed al-Tijani, radiallahu ta'ala anhu, et qui sont puisés de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on veut parler spécialement de l'état du disciple vis-à-vis de son attachement à Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala. Est-ce que le disciple peut se permettre de dire du mal sur Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala? La réponse est non. Est-ce que le disciple peut se permettre de haïr Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala anhu? La réponse est non. Critiquer Sayyidina radiallahu ta'ala anhu? La réponse est non. Mais là où on veut le plus insister aujourd'hui, c'est-à-dire être disciple Tijani et fréquenter quelqu'un qui déteste Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala, ou assister à une assemblée, à une cérémonie dans laquelle on dit du mal sur Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala. Alors, il dit dans le livre Wada mubghidan lahu walau kana walidan aw ibnan fala tarkan li wuddin wa khultatin. Lui, même si c'est ton propre père, tes parents, même si c'est ton propre fils, tes enfants, alors s'il déteste Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala anhu, alors il faudrait s'éloigner d'eux, en tout cas jusqu'à ce qu'ils abandonnent cette attitude, jusqu'à ce qu'ils reviennent vers l'amour de Sayyidina Ahmed radiallahu ta'ala anhu, ou en tout cas ils arrêtent de dire du mal sur lui. Alors, il y a un cheikh, à chaque fois qu'on lui posait cette question, à chaque fois que l'un de ses disciples ou de ses compagnons venait lui parler de cette situation que l'un ou l'autre pouvait vivre, c'est-à-dire qu'il avait au niveau de son environnement immédiat, son proche environnement, des personnes qui disaient du mal sur Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala. Comme vous le savez, ça fait partie des chourouts de cette année. Mahabbatu Sheikh Bilan Qita'in. Aimer Sayyidina Ahmed radiallahu anhu sans interruption, en amour sans fin, jusqu'à la mort. Et jamais dire du mal sur Sayyidina Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala anhu. Alors, il y a un cheikh, à chaque fois qu'un des disciples venait lui poser la question, alors il lui disait que je te conseille le doigt de prier pour tes parents pour qu'ils arrêtent de se suicider.
Parce que dire du mal sur Sénéch Ahmed Tidjane, radiallahu ta'ala anhu, détester Sénéch Ahmed Tidjane, radiallahu ta'ala anhu, c'est une forme de suicide spirituel. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a garanti que celui qui te déteste, celui qui dit du mal sur toi sans arrêt, sans se rétracter, sans demander pardon à Allah, il va mourir mécréant. Donc avant de sortir de ce bas monde, il va sortir de l'islam, il va perdre sa foi. Wal'ayyazu billahi, qu'Allah nous préserve de tout cela. C'est pour ça que il leur disait toujours cette série de versets, ce que récitait Sidna Ibrahim alayhi salam vis-à-vis de son père. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la takhzinni yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Donc, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il récitait ses doigts. Et c'est cette série de versets aussi que ce cher-là a recommandé à ses disciples, à ses compagnons qui venaient souvent se plaindre, dire que ah, j'ai dans ma famille des personnes qui n'aiment pas Sayyidina Shahid Tijan, j'ai des proches, comment faire? C'est des proches, et alors que l'islam recommande de serrer les liens de parenté, de bien développer même les liens de parenté, parce que les liens de parenté, c'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a dit, celui qui œuvre pour les liens de parenté, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus de longévité et lui ouvre les portes aussi, il aura plus de bien. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet là mais pourquoi maintenant c'est si grave, c'est si dangereux de critiquer ces nations de l'Ordre? Pourquoi c'est même dangereux et grave de fréquenter quelqu'un qui critique ses nechermes de Tijani, sur le de l'Ordre? Pourquoi, même si c'est tes propres parents, ce sont tes parents qui critiquent ses nechermes de l'Ordre, pourquoi on te demande d'avoir une certaine attitude à leur égard jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Parce que le fait de critiquer, de dire du mal sur ses nechars de Allah anhu, alors que lui c'est l'héritier de la haqiqatul muhammadiyya, c'est une forme de ma'asiyya, une forme de péché parmi les péchés qui peuvent détruire l'individu, le nuire dans ce monde et dans l'au-delà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, celui qui agresse l'un de mes serviteurs, Aulia, qui sont saints, alors je lui déclare la guerre. Alors je lui déclare la guerre. Celui qui dit du mal ou qui fait du mal à l'un de mes Aulia, mes Waliyu, alors mes saints, alors je lui déclare la guerre. Donc, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, ça il l'a dit dans le cadre général, mais en ce qui concerne le sou des awliya, le sou des saints, celui par qui passe le flux qui alimente, mashallah, la spiritualité que l'on retrouve ces saints, les autres saints. Donc si on l'insulte, si on l'agresse, si on lui fait du mal,
ça veut dire que c'est plus grave. Parce que c'est Allah qui l'a dit. Il a dit, je lui déclare la guerre. Et ça, c'est dans un cadre général. Mais comment est-ce que ça va être cette guerre s'il s'agit du Saint des Saints, Cheikh Shuyo, Qutb al-Aqtab, Taj al-Arifin, Mumin Bukulli Awli Rahmani, Abil Abbas Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu wa ta'ala. Donc, on peut le comprendre. Et donc, quand il s'agit des parents, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. Alors, quand on a des parents qui ne suivent pas Sirat al-Mustaqim, la bonne voie, et qui t'incitent à faire du mal, c'est vrai que ça se voit rarement, mais ça arrive que parfois c'est le fils qui est sur la bonne voie et que les parents sont sur la mauvaise voie. Ça arrive. Et ça aussi, ça concerne aussi nos frères qui viennent de rentrer dans l'islam et que leurs parents sont encore ne sont pas encore convertis. Dans ce cas, comment est-ce qu'ils doivent faire? C'est une question qui revient assez souvent, mais toujours garder le respect vis-à-vis de ses parents et pratiquer sa religion et expliquer aussi, parce que souvent quand ils comprennent pas, ils jugent, et quand ils jugent, ils se trompent, et c'est souvent des critiques, c'est souvent des paroles déplacées, etc., etc. Ben pourquoi tu manges pas de porc? Eh bien pourquoi tu manges pas de, tu bois pas de vin? Eh bien c'est de religion, moi je comprends rien, etc., etc. Des remarques comme ça, eh bien c'est parce qu'il ne sait pas. Et quand on ne sait pas et qu'on veut juger, on juge par rapport à d'autres logiques qui ne sont malheureusement pas les logiques de la foi musulmane. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui viennent de rentrer dans l'islam d'avoir beaucoup de patience et d'expliquer beaucoup, de se donner à un travail de pédagogie, même si c'est ses parents, leur apprendre, leur expliquer, etc., etc. Mais là aussi, il s'agit de la tariqa. Quand on a ses proches, parfois ses parents qui sont contre la tariqa, qui sont contre ces nechams d'étudiants, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, la pédagogie, et ne pas suivre leur puisque souvent c'est des erreurs, des jugements, ou des il paraît que tout ce qui dit, tout ce qui parle sur ces nechams de la Hanou et qui ne savent pas qui il est réellement, c'est quoi cette tariqa, assez souvent ils se trompent, ils disent des choses critiques et alors qu'ils ne savent pas qu'ils se font du mal eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça que dans cette tariqa, même si ses parents, ce seront tes propres parents, si tu ne peux pas expliquer, fais dua pour eux. Mais jamais être d'accord avec ce qu'ils disent sur ces nechers. En tout cas, s'ils n'arrêtent pas, ils vont perdre la foi. C'est ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses nechams de Tijani. Alors il dit aussi فَبُغْدُهُ يَسْرِي لِلْمُحِبِّ بِسُرْعَةٍ وَذَاكَ حِجَابٌ مُوجِبٌ لِقَطِيعَةٍ أَوْ لِلْقَطِيعَةٍ. Donc si tu aimes ces nechams de Allah, si tu es un disciple, mashallah, fervent, convaincu, tout, et que tu fréquentes des gens qui disent du mal sur ces nechams de Allah, et que tu n'argumentes pas, tu n'expliques pas, et que tu continues, tu ne te lèves pas, tu pars pas, alors finalement, il va y avoir un voile qui va s'installer entre toi et ces nechams de Allah,
dans ton cœur. Donc, de moins en moins, tu profites de ces nécharmes. Et de plus en plus, tu t'éloignes de ces nécharmes de Tijan. Parce que ces néchar, qu'est-ce qu'il a dit? Inna bourdom yasri fi qalbi man jalasahum kassam. Il dit que c'est comme un poison. Cette haine qu'il véhicule contre ces nécharat de Allah, c'est comme un poison. Celui qui aime ces nécharat de Allah et qui fréquente ces milieux, finalement, il va être touché par ce poison et, malheureusement, il va perdre beaucoup de choses. C'est pour ça que ces nécharat de Allah, il interdisait à ses disciples, à ses compagnons, de fréquenter ceux qui le détestaient. Il dit, c'est normal. Parce que وَقَدْ قِيلَ مَا فَسَدَ مَنْ فَسَدَ إِلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ فَسَدَ. Quelqu'un qui fréquente une personne qui est sur la mauvaise pente sera forcément sur la mauvaise pente. Un jour ou l'autre, il va dégringoler et il va tomber. Aïe, voilà aflaha, man aflaha illa bi suhbati man aflaha. On peut prendre aussi cette phrase d'une autre façon, c'est-à-dire en disant que quelqu'un qui a le succès n'a pu avoir le succès que parce qu'il fréquente des gens qui sont dans le succès, qui ont réussi. Alors pour réussir, il faut fréquenter des gens qui ont réussi, ou en tout cas qui sont sur une voie de réussite. Eh bien pour faillir, pour échouer, ben, il n'y a pas plus simple que de fréquenter des gens qui ont échoué toute leur vie, ou en tout cas qui sont sur une pente, une mauvaise pente. Voilà, Yasmina. Alors, donc il dit qu'il va s'installer entre toi et Sénéchal de la Talaran, un voile dans ton cœur qui fait que tu profites moins, tu sens moins les choses, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il conseille les disciples Tijani de s'asseoir avec ceux qui aiment Sénéchal de la Talaran, en tout cas avec ceux qui ne détestent pas Sénéchal de la Talaran, ou même s'ils ne l'aiment pas, ils ne passent pas leur temps à critiquer ces nécharmes de l'Antalam. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est un dars court et qui a une portée énorme, parce que ça peut conforter le disciple dans son amour à l'endroit de ces nécharmes de l'Antalam, dans son implication dans la tariqa. Mais le contraire aussi est possible. Qu'Allah nous garde de ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne fait pas attention peut perdre son amour de ses nécharmes de l'Antalam, peut perdre même sa qualité de Tijani, peut même aller jusqu'à perdre sa foi, tout simplement parce qu'il fréquente des gens ou écoute des discours qui sont hostiles à ses nécharmes de Tijani de l'Antalam. Donc on va s'arrêter là en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre amour pour ces nécharmes de Tijan Radiallahu anhu, notre amour dans cette tariqa, et notre amour aussi entre frères, entre disciples. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous sommes trop faibles, nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes, mais nous demandons protection à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بحق ولهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.